tous. Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous présente un tour de Laura London, le Chrisom Deck. Alors, oui, c'est quoi d'après toi cet effet, tu sais pas? Non, pas du tout. Eh bien, c'est... Je vais te parler du libre choix. D'accord. Le libre choix, c'est quoi d'après toi? C'est qu'on est libre de choisir. De choisir ce que l'on veut. Ouais. Et c'est ce que je vais proposer aujourd'hui à Brigitte. D'accord. Moi, en revanche, Brigitte, moi aussi, j'aime bien avoir le libre choix. D'accord. Et j'ai toujours sur moi, dans mon portefeuille, une carte. Je dirais une carte porte-chance. Ah oui? Alors, comme je n'ai pas vraiment le libre arbitre de savoir quelle carte qui va me plaire à l'instant donné. Bien sûr. Moi, j'ai une carte. Elle est un peu spéciale. Je ne cache pas. D'ailleurs, je la sors si j'arrive à la sortir. Voilà. C'est une carte blanche. Mm-hmm. D'accord. Cette carte, en fait, elle me permet, si par exemple j'ai besoin de dire l'as de cœur, d'accord. Eh bien, je peux dire que cette carte est l'as de cœur en la produisant d'accord. d'une manière magique. Donc c'était une carte que j'ai toujours sur moi. D'accord. Comme ça, j'ai le libre arbitre, le libre choix. T'as tout compris? Oui. Ok. T'as tout compris? Oui, c'est tout bon à fait. Ok. Alors maintenant, je te propose, avec un jeu de cartes, un jeu de 52 cartes, de faire une expérience avec moi. Tu as des cartes à points, des figures, dans un jeu de cartes, c'est normal. Mm-hmm. D'accord. Et c'est la première fois que tu vas voir les faits. Brigitte n'a jamais vu les faits avant. Non, j'avoue. Alors... D'accord, ok. Je le découvre en même temps que vous. En même temps. Et je vais te proposer une chose très simple. Tu vas mettre le doigt sur une carte. Allez, celle-ci. D'accord. Tu la prends. Voilà. Tu la montres à la caméra. Voilà. C'est bon. Tu la reposes sur le jeu. Tu coupes le jeu et tu recomplètes ta coupe. Est-ce que tu l'as en mémoire? Oui. C'est bon. Alors, je vais remettre le jeu dans l'étui, parce que j'en ai plus besoin pour le moment. D'accord. Très bien. Et je vais essayer. Donc, tu es d'accord avec moi, le libre choix, c'est de pouvoir choisir une carte le plus naturellement possible. J'avoue, là, ça a été complètement naturel. Très bien. Maintenant, tu vas me tendre tes deux mains. Et je vais essayer, par des devinettes, à essayer de trouver ta carte. D'accord. D'accord. Alors, ce que je vais commencer, c'est par la couleur. Tu penses très fort à la couleur. Rouge, noir, rouge, noir, rouge, rouge. Oui. Parce que là, il y a eu un point un peu plus fort que sur la main droite. D'accord. Ta carte, elle est rouge. Oui. C'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, dans les cartes rouges, nous avons les cartes à points et les figures. Pense à la famille de ta carte. Figure, point, figure, point, figure, point. Oui. Point. C'est point. Point. Très bien. Dans les points, ça va de l'as jusqu'au 10. Oui. Je vais aller très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens en arrière. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T'as hésité sur le 2. Je dirais que c'est un 2, le 2 de carreau. C'est ça? Tout à fait, franchement. Tu te rappelles? Que tu as choisi une carte. Oui. Tu l'as remise dans le jeu. Oui. Tu as coupé le jeu, on l'a remis dans l'étui. Oui. Tu vas pas me croire. Dans ce jeu, si j'étale, est-ce que tu vois le 2 de carreau? Honnêtement, dis-le-moi. Non, il a disparu. J'avoue, mais il est pas là. Tu te rappelles que j'avais une carte préférée? Une carte libre choix, qui d'ailleurs est ma carte porte-chance. Non, dans mon jeu, dans mon étui, je t'ai montré une carte au début. Elle est blanche. J'avais carte blanche. Ouais, j'avais carte blanche parce que je t'ai dit que je pouvais remplacer n'importe quelle carte à un moment donné. Oui. Tu as choisi le 2 de carreau. Elle a choisi le 2 de carreau. Ma carte porte-chance, qui est là depuis le début, figure-toi. Me dis pas que c'est le 2 de carreau. C'était le 2 de carreau. Ah, quel bel effet! Le Chrisom Deck. Je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo en compagnie de Brigitte, que je remercie beaucoup. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt, les amis! Au